Comment je suis arrivée là? Qu'est-ce que je fous dans cette cave sombre qui pue la mort? C'est déroutant et fascinant, d'une certaine manière. Je n'ai pas vraiment de souvenir de ce que j'ai fait avant de me retrouver dans ce lugubre endroit. Je me souviens juste d'avoir rencontré un type bizarre en sortant d'un concert. C'était quoi déjà le groupe? J'ai oublié. Temple of Baal? Ouais, ça devait être ça. Il y avait des gens que je connaissais. Ça y est, mes souvenirs me reviennent petit à petit. Mais parmi la foule de chevelus habillés en noir, il y en avait un qui a retenu mon attention. Il était vraiment très beau. De longs cheveux noirs et fins, un drôle de sourire et... il avait des yeux... jaunes? Jamais vu ça de ma vie. Quand je l'ai regardé, j'ai cru voir des yeux de serpent et pas des yeux humains. Mais j'ai dû regarder ailleurs pendant 2 secondes, puis je l'ai oublié. Le concert était sympa, mais c'était pas vraiment mon style de métal, le black metal. J'aurais préféré voir un groupe genre... CNK ou Ministry, mais bon. Mais comment j'y suis allée déjà à ce concert? Ah oui, des potes m'ont traîné limite de force là-bas. Comme ça faisait un bout de temps que j'étais pas sortie, je me suis forcée. Maintenant je suis là. Ils m'ont abandonnée ou quoi? Mais oui, c'est ça. Le type aux yeux jaunes est venu me parler. Il m'a dit quoi au juste? Oh, je sais plus. Plus exactement en tout cas. Il m'a offert une bière. Je me souviens plus du tout de notre conversation, mais... en revanche, je me souviens bien du sentiment de profond malaise qui a commencé à s'installer quand j'étais en sa présence. Il dégageait quelque chose de très malsain. Une aura puissante et écrasante qui a dû me faire perdre tous mes moyens. Et puis plus rien. Mes souvenirs s'arrêtent là. J'observe les environs plus en détail. Mes yeux s'habituent un peu à l'obscurité. Déjà, la bonne nouvelle, c'est que je suis pas attachée. Il y a l'air d'y avoir un escalier sur la droite et une porte à son sommet. Je le devine grâce à la faible lueur qui filtre en dessous. Je suis bel et bien dans une cave. En me tournant, je peux voir une masse sombre collée au mur d'en face. Une autre personne? Hé, hey, quelqu'un m'entend? Pas de réponse. Mais je détecte un mouvement. Peut-être que la personne qui est avec moi dans cette cave est inconsciente. J'en sais rien. J'entends un bruit discret puis... un grognement. Je sais pas d'où il provient, mais il est vraiment pas rassurant. Peut-être encore une fois, la personne qui est à l'autre bout, elle ne bouge pas. Je commence à me sentir mal. Mais j'ai pas le temps de réfléchir. La porte vient de s'ouvrir. Un homme se tient là-haut. Il porte une cape et sa tête est couverte par une capuche. Mais dans l'obscurité, on dirait bien que... ses yeux sont d'un jaune perçant. Merde, qu'est-ce qu'il fait là? Il descend les marches lentement. Il s'éclaire avec une bougie. On dirait qu'il est capable de faire bouger les ombres à volonté. La noirceur danse à ses côtés. Il se poste à quelques centimètres de moi. La bougie éclaire faiblement son visage. Il est d'une pâleur extrême et d'une beauté ravageuse. Ses traits sont d'une rare finesse. Je ne saurais pas dire qu'elle agit là car il dégage une assurance hors du commun avec des traits juvéniles. Ses yeux ont bel et bien une pupille verticale comme celle des serpents. Il me terrifie. Son regard me paralyse, j'ai l'impression d'avoir affaire au diable en personne, déguisé en un beau jeune homme aux cheveux noirs. Il sourit de toutes ses dents. Elles sont pointues. Mais pourquoi? Je me colle le plus près possible du mur. Je ne sais pas ce qu'il veut me faire. Il s'approche encore. Il me prend par l'épaule avec assurance, de sa main aux ongles trop longs pour être honnête. On dirait qu'il est impossible de résister au moindre de ses gestes. Est-ce que c'est pour ça que je me suis retrouvée ici? J'ai pas su lui dire non. Mais qu'est-ce que j'ai fait à la fin? Il me parle d'une voix trop grave pour être humaine. Oui, j'ai mis un petit quelque chose dans ta bière hier soir. Hein? Il a lu dans mes pensées ou quoi? Je l'interroge du regard. On a eu une petite conversation après le concert. Tu n'avais plus toute ta tête, évidemment. Tes amis t'ont laissé partir avec moi. Tu les as, comme qui dirait, envoyés balader. Ils ont cru que tu étais ivre. Mais en fait, c'était le Xanax qui commençait à faire effet. Quoi? J'hallucine. Comment est-ce que j'ai pas pu le voir mettre quelque chose dans mon verre? Je sais définitivement pas recoller les morceaux de ma soirée. Je me contente de le fixer en attendant qu'il fasse quelque chose. Ne t'inquiète pas. Viens avec moi. Je n'ai aucune envie de le suivre, mais il me lance un regard tellement insistant qu'il m'est impossible de protester. Il me tire par l'épaule sans violence avec juste ce qu'il faut pour me persuader. À la lueur de la bougie, m'aperçois avec horreur qu'il n'y avait personne d'autre dans la cave. Mais comment ça se fait que j'ai cru entendre quelqu'un?
Je mets ça sur le compte de ma difficulté à me rappeler de tout. Le Xanax est un sédatif puissant. Pas étonnant que je me sente pas au mieux. En haut de l'escalier, je me retrouve dans une pièce éclairée par une ampoule rouge. Il n'y a rien excepté une cape, suspendue à un porte-manteau. Celle de mon ravisseur est noire, celle-ci est rouge. Il me la tend et m'ordonne de la porter. Je suis si mal à l'aise, je n'ose rien lui refuser. Et je vois très bien qu'il n'y a pas d'issue. Il prend un couteau dans sa poche. Je bondis en arrière et mon angoisse monte encore d'un cran. Mon cœur bat si fort que je le sens prêt à sauter de ma cage thoracique. Je lui demande « Tu vas me sacrifier ?» Il éclate de rire. « Mais non, mais non. Donne ton bras droit. » Je lui tends mon bras, suant et tremblant. Avec la pointe du couteau, il me mutile. Je serre les dents sous la douleur. Il dessine une étoile à 8 branches, avec une flèche à l'extrémité de chacune. Le symbole du chaos, je l'ai déjà vu, sur la pochette de l'album Rain Chaos de Dissection. Ma maigre connaissance des croyances occultes me fait me dire 2 choses. 1. Je nage en plein délire. 2. J'ai l'impression d'être dans un mauvais clip de métal, avec tous les clichés possibles et imaginables. Cela fait, il ne s'embarrasse pas de nettoyer mon sang qui coule à grosses gouttes sur le sol. Il me prend le poignet et m'entraîne autre part. Nous traversons un couloir sombre. Dans la pièce tout au fond, j'entends des chants dans une langue que je ne connais pas. Plusieurs personnes sont en train de réciter des prières complètement bizarres. Nous entrons, et je vois cette pièce, plongée dans la pénombre, éclairée par des tas de bougies. Un énorme pentagramme est dessiné au sol. Une vingtaine de participants encapuchonnés sont autour. Leurs chants résonnent. Mon kidnappeur me pousse au devant de l'assistance. Une petite fille est assise au centre. Mais qu'est-ce qu'elle fait là? Qui a bien pu enlever une enfant pour faire des rituels pareils? Mon cerveau part en vrille à ce moment-là. Je pousse un hurlement à faire trembler les murs. Je veux partir d'ici. Je regarde désespérément autour de moi. Tous les autres participants à cette messe noire portent des masques. Je ne peux pas lire leurs expressions. Personne ne va m'aider. Ils me poussent au centre du pentacle. Mon kidnappeur me regarde d'un air satisfait. Il m'ordonne de rester au milieu du cercle, sinon le rituel ne fonctionnera pas. Je hurle de plus belle. Et je regarde la petite fille. Elle n'a pas l'air normale. Elle convulse et semble psalmodier, elle aussi. Ses yeux sont révulsés. Je crie. « Mais qu'est-ce que vous lui avez fait ?»« Tais-toi !» m'ordonne-t-il. « Donne ton bras gauche. » Je ne peux évidemment pas protester. Il me fait une entaille monstrueusement douloureuse. Mon sang jaillit et éclabousse le visage de la petite fille. Et là, un événement surréaliste se produit. La fillette se met à rire et en fait presque vibrer le sol. Mais ce n'est pas un rire normal, c'est un rire démoniaque. J'ai compris. Ils ont invoqué un démon et maintenant ils le font parler à travers elle. J'ai tellement peur et je perds tellement de sang que je m'évanouis, c'en est trop pour moi. Dans mon coma, je fais des rêves terribles. Des créatures immondes me pourchassent. Je revois cette pièce, cet homme aux yeux jaunes, cette petite fille. Mais pourquoi c'est moi qui l'a choisi? Qu'est-ce qui va m'arriver? Je me réveille dans une chambre d'hôpital. Mes amis qui m'avaient emmené au concert sont là. Ils ont un air si inquiet. Ils me demandent pardon. Ils me prennent dans leurs bras et me disent qu'ils sont désolés de ne pas m'avoir retenu de partir. Je pleure à chaudes larmes tellement rassurée de voir des visages connus. Je me demande si tout ceci est vraiment arrivé. Mes amis s'en vont. Je me réveille quelques heures plus tard. Il y a un bouquet de roses rouges sur la table et une lettre avec. Je l'ouvre et dedans je vois une phrase qui me terrifie comme jamais. Merci pour tout ce sang.